L'ambassadeur Kenneth Merten a indiqué dans une correspondance envoyée au Parlement que le numéro de passeport PUSA 04 39 11 230 n'appartient pas et n'a aucune relation avec le président Michel Martelly. C'est ce qu'a annoncé le sénateur Lambert, président de la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur la nationalité des membres du gouvernement. Monsieur Lambert a fait remarquer que la commission avait sollicité une vérification du passeport portant ce numéro suite à une information communiquée par le sénateur Moïse Jean-Charles. Monsieur le Premier secrétaire, l'ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments à la commission sénatoriale chargée de faire la lumière sur la nationalité de certains officiels du pouvoir exécutif haïtien. J'accuse réception de votre correspondant du 18 janvier 2012 par laquelle vous demandez à l'ambassade, au nom de la dite commission, de confirmer ou d'infirmer que le numéro de passeport PUSA 04 39 11 230 est bien celui d'un passeport américain et qu'il a été effectivement émis au nom de M. Joseph Michel Martelly, actuellement président de la République d'Haïti. Par la présente, veuillez noter que ce numéro de passeport, alors quel numéro de passeport nous a été communiqué par le sénateur Moïse, n'a aucune relation avec le président Martelly. Par ailleurs, l'ambassade souhaite vous informer que les lois sur la vie privée en vigueur aux États-Unis d'Amérique placent des restrictions sur la diffusion d'informations confidentielles retenues par le gouvernement américain sans autorisation écrite de la personne concernée. Ça me déduit, a priori, c'est que piste que sénateur et Moïse Tebanoan n'est pas qu'un bé. Nous n'avons aucune autorité réelle pour imposer au chef de l'État une ligne de comportement. Et nous-mêmes, nous estimons que il était sage pour que nous adressions correspondance à la président. Et dans souci, peut-être pour aider nous et collaborer ensemble avec nous, dans chercher solution à un problème qui est posé, nous estimons qu'il était capable, s'il le souhaite, aider, éviter de mettre suspicion. Mais il revient à lui-même et à lui-même seul de connaître quelle position, de quelle disposition que la base. Le ministre de la Justice exprime des réserves concernant le droit légal de la commission d'enquête sénatoriale sur la nationalité d'effectuer la vérification des documents des membres du gouvernement. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le garde des Sceaux estime que les affaires de nationalité relèvent du tribunal de droit commun et non du pouvoir législatif. Je respecte beaucoup les prérogatives du Parlement en ce qui a trait à son pouvoir de contrôle et de sanction du gouvernement. Il y a une commission d'enquête sur la nationalité qui, d'après ce que j'ai appris, a fait les démarches nécessaires au niveau des services d'immigration, et c'est très bien. Maintenant, une fois que les pièces ont été identifiées, la nationalité de chaque ministre a été identifiée, je ne comprends pas le sens légal de la démarche maintenant pour que les ministres défilent comme des enfants au Parlement. D'autant plus que le Parlement n'est pas juge de la nationalité. Si vous avez été au service d'immigration, vous avez constaté que j'ai un passeport haïtien, vous avez des doutes sur l'institution de l'immigration. Maintenant, vous voulez juger de ma nationalité. Or, la Constitution est claire. Lorsqu'il s'agit de la nationalité, c'est le tribunal de droit commun qui est compétent. Le Parlement n'est pas juge de la nationalité. Et deuxième réserve de droit que j'ai également, s'il est vrai que, je me répète à nouveau, le Parlement a ce pouvoir de contrôle et de sanction du gouvernement, mais aucun pouvoir n'a le droit d'empiéter sur un autre pouvoir. Or voilà quelque chose qui est dévolu au pouvoir judiciaire, à la justice, dont le Parlement veut prendre le contrôle. Or, il est très clairement dit dans la Constitution, à l'article 162.1, nul pouvoir n'a le droit d'empiéter sur un autre pouvoir. Donc voilà et les réserves, je dirais, juridiques que j'ai en tant qu'avocat, en tant que juriste.
Les membres du gouvernement ne se sont donc pas présentés au Parlement comme l'avaient souhaité les membres de la Commission. Et réunis en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont décidé de ne pas soumettre les documents réclamés. Tout en reconnaissant que le pouvoir législatif a la prérogative d'enquêter sur toute question qu'il juge nécessaire, le secrétariat général du Conseil des ministres estime cependant que le Parlement est libre de poursuivre ses investigations auprès des services concernés. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui séjournera en Haïti du 13 au 16 février, s'est rendue ce mardi au Parlement haïtien, où ils ont rencontré les présidents des deux chambres, ainsi que ceux des différentes commissions. Le sénateur Yuri Latortue, qui avait pris part à ces discussions, affirme qu'il a fait part aux membres du Conseil des griefs contre la MINUSTAH. La rencontre là, c'était pour évaluer, garder mission, garder les problèmes qu'il y a. Et nous garder les problèmes sur le plan de vue politique. Nous pensons que le ministre des Nations Unies doit faire plus d'efforts pour renforcer l'institution politique. Nous regardons sur le plan économique, côté jusqu'à présent, il faut que les gens ne pas atterri. Ou du moins, notre projet approuvé, c'est le projet Nations Unies, Banque mondiale. Donc, où est-ce que c'est Nations Unies et Banque mondiale qui ont fait? Gouvernement pas entré là-dedans, pas Haïti là-dedans. Conseil de sécurité avec l'exécutif là doit préparer un plan de retrait de ministre. Et plan de retrait ça, il doit aller de pair avec professionnalisation de la police là et mise en place de nouvelles forces. Ça, c'est clair pour que vraiment plan de retrait soit fait de façon ordonnée. Deuxièmement, nous soulevons qu'il y a environ 15 cas de viol, d'abus sexuels, de choléra qui arrivent dans le pays. Je dis à l'important pour la Commission droits de l'homme des Nations Unies mener une enquête sur ça. Et nous disons, je dis à nous remettre un dossier, le dossier du viol au Gonaïve. Côté que nous montrons toute évidence, et nous disons que l'exécutif l'a écrit, Sénat a une résolution. Donc il est important pour que nous même décidé pour lever l'humilité soldats pour mener devant la justice. Et nous expliquer. Ambassadeur pakistanais qui également dans le Conseil de sécurité a que c'est pas en question de Pakistan, c'est deux soldats eh bien, qui violent anti-monde sur place indépendance là. Et dans ce sens, ça, yo d'accord, il y a tant de rapports que à recevoir puisque vous y font tout et vous pensez que vous avez réaction rapidement parce que vous dites que vous ne pas tolérer ça. Et je pense que là, son rupture qui est pour faire avec le comportement ministre, parce que vous faites 15 fois, vous avez écrit, fois ça, parce que c'est trop, il faut que le soldat soit jugé. D'ailleurs, juge là, vous voyez correspondance, Mohamed Li, il m'a délevé immunité. Ministre justice là, écrit ministre des Affaires étrangères, il voyait le secrétaire général là, moi-même, je mets tout le dossier là, par le Conseil de sécurité national. Parallèlement, la délégation de la CARICOM a mis fin ce mardi à leur mission en Haïti et avant de quitter le pays, ils ont signé un protocole d'accord avec le ministère des Affaires étrangères en vue de fournir une assistance technique au gouvernement dans les domaines de l'éducation, de l'investissement et de l'agriculture entre autres. Cette visite de deux jours de la délégation de la CARICOM au pays aura été bénéfique pour Haïti. Le protocole d'accord qui vient la conclure devrait porter ses fruits prochainement. La santé, l'éducation, l'agriculture, le transport aérien et l'investissement sont les cinq grands points qui figurent dans ce document, dans lesquels Haïti doit recevoir de l'assistance technique des pays de la CARICOM, nous dit le ministre Laurent Lamothe. Nous travaillons sur l'éducation, surtout pour que l'université West Indies, qui est une très grande université dans le Caraïbes, soit capable de venir aider Haïti dans la gestion de l'université Limonade. Nous parlons de formation de maîtres. Formation de maîtres là sont qui très important l'organe où en Haïti puisque 70% des professeurs nous ont besoin de formation. Une rencontre avec le secteur privé haïtien des affaires a permis à la délégation de constater ses besoins. Le protocole d'accord va faciliter le déplacement des Haïtiens vers les autres pays de la Caraïbe. Nous connaissons que c'est très difficile qu'on ait pour aller dans l'autre pays CARICOM parce que avion Ural, Suriname Airways lui-même lui intéressé de tourner et fait trajet entre Suriname et Haïti. Nous connaissons qu'il y a plus de 15 000 Haïtiens qui vivent dans le pays de Suriname. Il y a un avion touriste, l'IAP, qui peut recommencer le service entre le pays Caraïbes, plus spécifiquement Antigua. Il a fait trajet Antigua pour Port-au-Prince. Autres axes prioritaires du gouvernement, l'agriculture n'est pas négligée dans ce document. Désormais, les paysans haïtiens devraient pouvoir écouler leurs produits à travers la Caraïbe, selon le chancelier Laurent Lamothe. Il y a des produits haïtiens qui peuvent avoir accès à marché CARICOM. Donc là, c'est déjà une ouverture
pour que la production nationale nous soit capable de garder vers un marché international que produit par seulement en Haïti. Nous avons un bon mango, nous avons exporté, nous avons un café, nous avons différents produits. Un point d'achoppement touché lors des discussions entre les visiteurs et le gouvernement haïtien est la question des visas. Une demande a été produite auprès des représentants de la CARICOM afin de permettre aux Haïtiens d'entrer dans tous les pays membres de l'organisation munis d'un visa américain ou Schengen. Je dis à 4 pays qui ont accepté des gens voyager avec visa américain, Schengen ou canadien. Nous avons besoin que nous étendions à tous les 15 pays avant que nous travaillions pour et que le règlement applicable pour tout le monde depuis maintenant fait partie de mon pays membre CARICOM. Notons qu'une commission de deux membres, l'un représentant Haïti, l'autre la CARICOM, est constituée en vue d'assurer le suivi des démarches engagées. Cette commission a 100 jours pour produire son premier rapport. Installation ce mardi d'un nouveau directeur à la tête du Centre des facilitations des investissements, le CFI. Carl Jean-Louis remplace à ce poste Guy Lamothe, nommé ambassadeur d'Haïti au Mexique. Monsieur Jean-Louis promet de travailler afin de faciliter l'installation des entreprises étrangères dans le pays. Le conseil d'administration CFI pour le début du mois de mars, sinon le premier, pour que tout le monde soit capable de discuter et liquider. La bonne opportunité pour que le secteur privé et Minicio, qui fait partie du conseil d'administration du CFI, pour nous capables de discuter de questions sérieuses et puis pour nous faire une solution ensemble au fur et à mesure. Et donc, CFI, pourquoi elle va réaliser l'objectif? Non, CFI, c'est au centre de facilitation. CFI n'a pas qu'à prendre décision et l'emplace au ministère. CFI, c'est alliance qui a fait avec plusieurs institutions pour que nous puissions améliorer l'environnement pour que les investisseurs viennent dans le pays. Donc, nous avons besoin d'appui de toute institution publique et nous avons besoin d'appui de secteur privé, société civile, pour nous travailler ensemble. Si vous parlez, bien CFI n'a pas délivré marchandises qui s'est créé un environnement qui facilite et qui attire l'investissement.